Brunehilde était une princesse. C'était la fille de Wotan, dieu de tous les dieux. Enfin bref, son père était très en colère contre elle. Elle avait commis une faute ? Peut-être, elle lui avait probablement désobéi, je ne me souviens plus exactement. Alors, il la plaça au sommet d'une montagne. C'est Bromilda sur la montagne ? Il y a toujours une montagne dans les contes germaniques, cela fait partie de notre folklore. Oh. Ensuite, il posta un dragon cracheur de feu ici pour garder la montagne. Et il l'enferma à l'intérieur d'un grand cercle de feu infernal. Et c'était là que Brunehilde devait demeurer. À moins qu'un héros suffisamment fort et brave ne vînt la sauver. Est-ce qu'il est venu, ce brave ? Oui, Django. Il est bel et bienvenu. Un chevalier nommé Siegfried. Est-ce que Siegfried a sauvé la princesse ? De façon assez spectaculaire. Il escalada la montagne, parce qu'elle ne lui faisait pas peur. Il terrassa le dragon, parce qu'il ne lui faisait pas peur, et traversa le feu infernal. Parce que Brunehilde en valait la peine. Je sais ce qu'il ressent. J'étais justement en train de m'en rendre compte.